Déjà, un regard très amical. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour la profession agricole et je pense qu'elle doit être soutenue et beaucoup plus soutenue qu'elle ne l'est aujourd'hui peut-être au niveau national. Et il faut que nos concitoyens en prennent conscience. Donc la présence ici, à la fois du président du conseil régional que je suis, mais accompagné d'un certain nombre d'élus régionaux, c'est de montrer notre soutien à cette profession, nous dire qu'il y a des pistes, que nous sommes à sa disposition, qu'il nous faut travailler ensemble, qu'il nous faut faire pression aussi sur le gouvernement et sur l'État pour qu'un certain nombre d'aides arrivent enfin. Je parle par exemple de l'année blanche, dont les aides ont beaucoup de difficultés à arriver auprès des agriculteurs et des producteurs. Mais nous devons aussi réfléchir à de nouvelles filières de diversification. Nous prendrons une décision tout à l'heure en assemblée plénière sur l'élevage, là aussi, pour mieux accompagner, pour mieux être présent. Et ensuite, moi, je réagis à la finalement du président de la FDSEA de Moselle et dire je veux travailler ensemble et je veux faire des propositions et je veux m'inscrire dans un esprit de construction. Ça, je crois que c'est tout à fait positif et le Conseil régional saura y répondre.